Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Fallout 4 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après être sortis de l'abri 111, nous allons tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que bah oui. Alors, on doit rentrer chez nous. Et je veux quand même faire un petit tour avant. Les fleurs de carottes. Oh, il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. J'ai quelques petits lags. Je descends, là, je suis en ultra, mais je descends un petit peu à. Je perds quelques PS. Mais pas tant que ça, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Sinon, s'il n'y a rien, on rentre direct. Il n'y a l'air de rien avoir. Oh, une petite cabane. J'espère que pour vous, c'est également fluide sur la vidéo. Hein. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Que le micro également. Pas d'épingle à cheveux. Ah, épingle à cheveux, épingle à cheveux. Il va falloir que j'en achète beaucoup de ça. Tant pis. Récupère un peu toutes les plantes que nous voyons. J'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. Hein. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, nous sommes à l'épisode 3. J'essaierai quand même de les mettre assez souvent. J'essaierai d'en mettre une par jour. Mais c'est vraiment pas facile. Hein. Et comme je vous ai dit dans la première vidéo que j'ai des études qui sont vraiment très très dures. Qui prennent beaucoup de temps. Des plantes. Donnez-moi toutes les plantes. Je veux smoke de weed et weed. Sanctuary. C'était notre ville de base, c'est bien ça. On va essayer de faire le tour d'un. Ah non, pas s'asseoir. Non, pas s'asseoir. J'ai dit non. Ah, comment s'asseoir, on peut attendre. Je ne savais pas ça. Je viens de voir. Petite niche. Oh, des objets, c'est obligé. Toujours plein d'XP. Bon, je suis tout seul, je peux plus m'embêter. Les œufs mimosa. Un bidon d'huile sacrée. Petit cigare. Je n'ai pas d'épingle à cheveux. Ah là 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 là. Il m'en faut ça, des épingles, vraiment beaucoup. Hein. Je ne peux pas l'activer la télé.
Ah, là, je devrais pouvoir le passe requis. Alors. Similarité, d'accord. Oups. On va attendre un petit peu. Parce qu'on va fouiller encore un tout petit peu. Ah, un coffre. Plus d'épingle à cheveux. Là, je cherche un petit peu tout, hein. C'est le but d'un RPG, on va dire. Plus d'épingle à cheveux. On va essayer une fois le terminal, hein. Just. C'est bon. Tac, tac, tac. Oups. Ah ouais. D'accord. Ok, donc là c'est juste des c'est juste des comptes rendus sur chaque personne. De chaque zone. Ah, ce serait peut-être un dealer en fait, lui. Pas d'épingle à cheveux. Mais t'as pas un cheveux sur un coffre-fort, quoi, please. C'est à quoi? Ça sert à quoi? Il n'y a pas les cheveux. On ne passe pas par ici. On peut passer par la fenêtre, cette maison est vide. Ah ouais, d'accord. Grenade à fragmentation. Dans la petite. Et tu vas te calmer, hein. Je me disais bien avoir entendu. Pas que je stresse comme ça, c'est pas un jeu d'horreur. Une boîte de. Enfin, une bouteille d'olive vide, ouais. Ah ouais, je prends l'extincteur comme ça, je le mets dans ma poche derrière, là. Ma poche arrière, il y a cette place. Est-ce que j'ai sur mon dos? Non, bah non, bien sûr. Je veux dire le grand vert, le beau diamant du Commonwealth. Voilà. Vous écoutez Radio Delta. Oh. J'arrête de faire échappe, hein.
que j'ai déjà été voir ici. Oui. Je pense. Ah non. Ah, désolé de prendre mon temps comme ça, mais bon. Il faut chercher après tout, hein. De par hasard, c'est le seul robot vivant dans toute la ville. Hein. Oh. Moins de dégâts pour un poids très très amorti, ça me va. M'installerai pas ici tout de suite en tout cas. Je vous disais qu'est-ce qui bougeait en fait, non c'est juste notre cher robot. Ce que je veux faire. Rien dans les armoires. J'ai pas été voir jusque tout là-bas, je crois. Entre-toi. What? Ok. Des chewing. Glande de mouche bouffie. Alors lui, il se prépare pour Halloween. Hein. Oh. Ouais. Ok. Faudrait que j'aille essayer de retrouver le l'autre. J'ai oublié son nom. L'autre. J'ai oublié. L'autre coffre. Voilà. On a enfin changé de tenue aussi. Alors, trouvons l'autre. Cherchons encore un peu dans les visions qu'on n'a pas cherché, puis retrouvons le coffre. Puis je pense aussi également aux vidéos, j'aimerais refaire un tour dans l'abri, prendre l'arme.
Parce que je vais essayer de faire le plus de choses hors vidéo possible qui sont annexes, quoi, qui feraient perdre moins de temps, parce que sinon ce let's play ne se finira jamais. Comme vous voyez, là, j'ai pas encore avancé d'un poil. J'ai pas regardé dans la boîte aux lettres, c'est vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ok. Alors, on est en train de faire toutes les maisons sauf la nôtre, hein, bien sûr. Non, c'est pas marrant. Ah, encore plus d'épingles à cheveux. Donc ici, il n'y a l'air de plus rien à voir. Où est ce coffre? Où est-il? Non, pas ici. Non, celui-là j'ai déjà pris. C'est moins loin. Là c'est l'autre maison, donc c'est pas par là. Pas celle-là non plus. Ici peut-être. Non. Je crois que j'ai déjà fait cet endroit. Hein. Ouais, j'ai déjà fait cet endroit. Je n'ai pas fait cet endroit. Donc oui, les capsules, ce sont la monnaie du jeu, hein, si je ne m'abuse. Désolé vraiment si je ne parle pas beaucoup, mais pas grand chose à dire, donc... Je voulais profiter un peu de l'ambiance du jeu. Et en attendant, j'ai essayé de trouver ce satané coffre. Où es-tu? Ah bah, en même temps, on va faire celui-là. Non mais non. Voilà. Génial. Chapeau melon et petit cuir. Ah, on n'est pas loin. Ça doit juste être celle-là. Voilà. Alors, bah, ça, c'était pas prévu.
Joli. Nice. Je crois qu'il y avait quelque chose d'autre à ouvrir ici. Sinon, c'est pas grave. Non, pas grand chose. Donc, allons dans notre maison. Hein. Désolé d'avoir fait attendre juste pour cette étape. Hein. Codsworth? Par ma barbe! Oh! C'est vraiment vous! Codsworth? Qu'est-ce qui est arrivé? Au monde? Au monde, madame? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sanctuary Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour, votre époux et vous. Où est monsieur, d'ailleurs? Il est au ciel. Madame, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames. Pourquoi pas au charade? Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais leur reprendre mon bébé. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. Non. Non, c'est impossible. J'ai pas pu rester dans cette capsule aussi longtemps. Pas 200 ans. Un peu plus de 210 ans, en fait, madame. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Codsworth, tu as un comportement un peu... étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, madame, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, et personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, madame. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez... mort. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que monsieur souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Merci, Codsworth. De rien. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous monsieur et le jeune Sean. J'ai déjà regardé, Codsworth. Ils ne sont pas là. Alors, ils ont vraiment disparu, n'est-ce pas? Oh, madame. Sean est là quelque part, Codsworth. Je dois le retrouver. Et Concorde, madame. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Ces gens-là me plaisent déjà. Oh, parfait! Dans ce cas, peut-être que vous vous entendrez bien avec eux, et qu'ils pourront vous aider à retrouver le jeune Sean. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. D'accord. En faisant le tour de la zone, hein. De la maison. Ah ouais, bah je prends l'élan comme ça, moi. Oh ouais. Oh, nice.
petit coffre peut-être qui traîne. Ah, ça a bien changé depuis la première fois on est allé. Hein. Je viens de chercher mon chéri. D'accord. Alors, où est Conwolf? Onglet inventaire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ok. Oh, je peux les mettre dedans. Nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Dosdale pour HTML HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.